quelli che hanno gli occhi, un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare, e per ogni lacrima sul tuo vestito. Per chi non ha capito, per chi beve di notte, e di notte muore, e di notte legge, e cade sul suo ultimo bene, per gli amici che vanno e ritornano indietro, e hanno perduto l'anima e le ali. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue sur le téléachat du lundi soir. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Eric et Rebecca. Comme tous les matins, Eric se réveille après avoir passé une très bonne nuit. Eric dort très bien. Il descend dans sa cuisine pour prendre le petit déjeuner et là, dilemme, il ne sait pas quoi manger. Une biscotte ou une tartine? Une biscotte croquante ou une tartine moelleuse? Une biscotte croquante difficile à tartiner ou une tartine moelleuse facile à tartiner? Eric ne sait pas. Il réfléchit, il hésite, et puis finalement, Eric pleure. Comme tous les matins, Eric ne prendra pas de petit déjeuner. Mais c'est pas grave, Eric repart du bon pied, car il doit aller travailler. Eric s'habille, Eric sort de chez lui, Eric va dans la rue et Eric arrive au travail. Mais arrivé au travail, Eric ne va pas tout de suite travailler. C'est l'heure de la pause café, car Eric ne travaille pas beaucoup. Alors Eric va à la machine à café. Mais devant la machine à café, à nouveau, dilemme, que boire? Un café ou un café au lait? Un café corsé pour bien se réveiller et noir? Ou un café au lait avec le petit goût de lactose pour enlever le petit goût caféiné du café sans lait? Eric ne sait pas. Eric a besoin de s'asseoir pour réfléchir. Alors Eric trouve une chaise, Eric s'assoit et Eric réfléchit. Café? Café au lait? Eric hésite. Et Eric pleure. Encore une fois, comme tous les matins, Eric ne boira pas de café. Mais c'est pas grave, Eric repart à son pied et sort son ordinateur pour travailler. Il commence à taper sur quelques touches, puis tout d'un coup, comme Eric ne travaille pas beaucoup, il pense à ses vacances qui sont quand même dans 12 mois, il serait temps de les préparer. Alors Eric hésite, partir à la mer ou partir à la montagne? Oh, encore un choix difficile. Eric ne sait pas, Eric est prêt à pleurer, mais soudain, une pub apparaît sur l'écran de son ordinateur. C'est moi qui vais vous parler de la super pêche à cette fille. Alors si, comme Eric, vous hésitez pour vos vacances entre la mer et la montagne, n'hésitez plus et achetez la nouvelle perche à selfie. Elle vous permettra, à la mer, de faire des selfies avec toute votre famille. Vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et aussi vos arrière-arrière-arrière-grands-parents, puisque parfois ils sont là avec nous, il ne faut pas les oublier. Et si vous allez à la montagne, la perche à selfie vous servira d'une part à faire du ski, puisque ce sont des superbes bâtons pour emprunter les pistes de toutes les couleurs différentes selon votre niveau, et d'autre part, une perche à ski pour monter tout en haut de la montagne et ensuite pouvoir faire du ski. À la mer, la perche à selfie vous permettra également de pouvoir prendre des petits poissons dans l'eau en bord de rivière si vous avez envie de faire un barbecue par exemple un jour ensoleillé. Et à la montagne, la perche à selfie nous permettra aussi, je reste dans l'optique de la nourriture, à attraper des petites pommes de terre pour les mettre dans le fromage fondu lors d'une soirée raclette avec ses amis, avec un petit verre de vin rouge. En somme, la perche à selfie est la réponse à tous vos problèmes. C'est comme Eric, vous avez des problèmes pour faire des choix dans votre vie. Alors si vous n'arrivez jamais à décider, achetez la perche à selfie et dites au revoir à tous vos soucis. Elle ne coûte que 935,99€ et elle est disponible dans tous nos points de vente de tous les magasins de toute la terre entière. Téléachat du lundi soir, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous nous retrouvons lundi prochain pour un nouveau produit miracle, toujours en compagnie d'Eric. Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo. Per le persone facili che non hanno dubbi mai. Per la nostra corona di stelle e di spine. E la nostra paura del buio e della fantasia. Santa Lucia, il violino dei poveri, è una barca sfondata e un ragazzino al secondo piano che canta, ride e stona.
perché va da lontano, fa che gli sia dolce, anche la pioggia nelle scarpe, anche la solitudine. Tu verrai fino in cima.